I think the girls with their nails done now. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 sur Uncharted, Drake's Fortune. On s'était arrêté là, en plein milieu de la forteresse, après avoir battu pas mal d'ennemis. On avait trouvé le site du parachute d'Elena, et on se dirige vers la tour de Drake actuellement. Ensuite, alors j'ai loupé un épisode, non, je ne crois pas. Je pense qu'il fallait monter par là. Voilà, fallait monter par ici. Et ensuite sauter en face. Nickel. Louper certainement plein de trésors. Où est-elle allée? Je ne sais pas. En tout cas, elle en voit pas mal. Et où est-ce qu'il faut aller? Pas par ici. Il meurt. Bon, ça arrive. Je meurs dans tous les épisodes. Je sais pas où est-ce qu'il fallait aller. Ok, faut les voir les rebords, faut les voir. Sérieusement. En fait, voilà, les jeux de caméra, c'est vraiment pas facile. C'est peut-être un point noir du jeu. De ce Uncharted premier du nom. Pour un jeu de 2007, comme je l'ai dit, il est vraiment pas mal. Après, vu que c'est un remaster. Et non pas un remake. Genre, je le dis jamais assez souvent, mais. Faut bien comprendre la chose. Certains ne comprennent pas. Je parle en global, on va dire, de certaines personnes. Ça devait être à Drake. Qu'est-ce que tu cherchais ici, hein? Tiens, tiens, ça me dit quelque chose. Mais les navires sont toujours là? Elena? Hé, par ici. Oh merde. Oh. Ah, fallait peut-être rien faire. Je sais que je ne suis pas un grand chasseur de trésors comme toi, mais je doute que tu trouves Eldorado par ici. Comment tu t'es fourré dans ce pétrin? En essayant de te sauver, pour tout te dire. Oh, comme c'est mignon. Des briques traditionnelles de grès et de stuc. Du mortier friable. Hey, tu peux me dire comment tu sais tout ça? Mon émission, épisode 4, architecte du nouveau monde. Ouais, il suffira d'un rien pour arracher ces barreaux. Quoi? Non, attends, t'es sûr? Bouge-toi de là, pauvre crétin! Ouvre-moi cette porte, tête de l'œuf! Oh, merde. Diracha, j'aurais dû m'en douter. Un document fascinant, hein? On dirait que Sir Francis était dans la même branche que moi. Te jette pas de fleurs, Eddie. Alors comme ça, on est toujours ennemis, hein? Je vais te dire, mène-moi jusqu'alors et je te laisserai peut-être en vie. C'est tout.
C'est ça le deal. Mourir maintenant ou t'aider et mourir plus tard. Pas facile comme choix, mais tu sais quoi? Je préfère mourir. Tu vas l'enfermer! Écoute-moi bien, Astico. On m'a promis un trésor sur ce satané rocher. Et maintenant, mes hommes sont en train de crever. Ils peuvent même pas sortir pour pisser sans un quart d'armée. Et je peux absolument rien y faire! Je suis en train de te faire une offre correcte. Tu m'aides à trouver le trésor, et le dernier homme en vie récupère l'or! Et la fille, bien sûr. La fille? Oh, Eddie, la fille est déjà loin. Elle a sûrement quitté l'île maintenant, pour chercher de l'aide. Espèce de gros menteur! T'as jamais été très bon au poker! Je vais la trouver, crois-moi. C'est sûrement pas une fille qui va m'impressionner. Alors, tu viens? Merci. Hé! Merde alors! Bon boulot. Merci. Hé, allez! Ouvre-moi ça! Accroche-toi. Allez, c'est parti. De pire en pire. Nouveau chapitre. Lui, il a à peine temps de démarrer qu'il est mort. Ok. Nice. Enfin de l'action! Oh, il fait quoi lui? Il fait n'importe quoi. Ok. Ah, tu chaufferas rien du tout. J'arrive aussi à se suicider tout seul. À travers les bambous là. Oh la roue. Je suis dans le blanc. Je suis mort. Sympa cette course poursuite. Ah, j'étais lance-grenade, je savais pas. Je savais même pas que j'avais lance-grenade. Ah. Il fallait me le dire ça. Allez, on se concentre. Ok. Vraiment sympa, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. Bien cette petite course poursuite. Ok. Ouf. C'était moi une. Là, franchement, je m'attendais pas à une course poursuite.
de cette envergure. Qui ce type? C'est juste un ancien. Ah, fais gaffe! Oh non! Accroche-toi! Oh, Fast and Furious. Ok. Attrape ma main. Ok? Ok. Bon. Ça va? Ouais, ça va. Mais dis donc, tu saignes? Ça fait couleur locale. Allez, on se tire d'ici. Quitter. Hé, hey, Eddie, vous pensiez tout de même pas pouvoir m'échapper, pas à moi. Oh non, on allait juste faire une petite balade digestive. La ferme. Je sais que vous travaillez aussi pour eux. Hein? Vous pensiez me la faire à l'envers et vous partager le butin, hein? C'est ça? Bonsoir, ce type est givré. Eddie, on se calme, mec. On dirait que la chance tourne. Vous êtes piégé. Maintenant, donnez-moi cette carte. Accroche-toi. D'accord. Je m'incline. T'as gagné. Hé hey, pas un geste. Relax, Eddie. Je prends juste la carte comme tu me l'as demandé. J'ai dit accroche-toi. Je le suis. Ou alors, tu me la donnes? Bah, tu viens de me dire de pas bouger. On dirait que tu vas devoir venir la chercher. Ah, carmo. Ah, vite! La cité engloutée, chapitre 8. Allez, Elena, elle se fait tirer plein dessus, elle prend rien du tout, hein? Normal, oh, logique. Bon sang. Oh, ils sont têtus, ces mecs! À couvert! Non, de l'autre côté. Oh, mon dieu. Oh, Calmos. Ah, oh, j'ai qu'un pistolet. Où est passé Elena? Mais ils sont résistants. Allez, montre-toi. Ça va lui faire mal. Pas facile de les viser. What? T'as juste pris moi deux snipers, c'est pas possible. Ah oui, il a un magnum, d'accord. J'ai pas compris. Je dis, il m'a mis une sacrée balle quand même. Attention. Ah, il s'est suicidé lui. Oh, le saut qu'il a fait. Ah, il est marrant ce petit jeu. Hein. Enfin, ce petit jeu. C'est du Naughty Dog quoi. Et vivement, c'est Last of Us 2. Voilà, pour ma part, je me suis pas fait spoil par The Last of Us 2 par des gens qui n'ont aucune pitié. Hein? Ça sert à quoi de spoil, sérieusement? Moi, je me suis rien fait spoil, de toute façon. L'édition maximum disponible en France est commandée depuis bien bien longtemps. C'était une grosse erreur. Sans blague, tu sais, j'aurais dû tourner avant le pont. C'est très marrant. Oh, viens une minute. Faut que tu vois ça. Ce truc marche encore? Regarde ça. Ok. Tu vois ce bâtiment sur le port? C'est là que les bateaux arrivant dans la colonie déchargeaient leurs marchandises. Donc si le trésor d'Eldorado était arrivé sur cette île, eh ben il aurait dû transiter par là. Attends une minute. C'était quoi? Quoi? Rembobine. Ouais. Attends, stop. Juste là. C'est notre billet de retour. Allez. Notre billet de retour? Tu laisses tomber? Tu n'as peut-être pas remarqué, mais on n'est que deux. On se débrouille bien jusque-là. Je crois pas. Elena, je veux pas avoir ton corps criblé de balles sur la conscience. On y va. Oh, arrête ça, tu veux? Pars de ton côté si ça te chante, mais te sers pas de moi comme excuse. Bien. C'est moi, ok? Je laisse tomber. Alors, tu viens ou pas? Alors, c'est tout.
Tu vas faire une croix sur le trésor et tout oublier sur Drake. Elena, ça vaut pas le coup de risquer nos vies. Ok. Ok. Écoute, de toute façon, il faut qu'on retourne au port. T'inquiète pas pour ça. On pourra en débattre plus tard. Ça va être cool. Attends. Cette fois, je conduis. Ok. Ah, les jet skis, d'accord. Pardon, Elena. Je m'impose un peu. Je vais voir si c'est pas un petit trésor qui se cache dans la broussaille. Non, pas de petit trésor. Ok. Bah, c'est tout, hein. Maintenir quoi. Bon. Je comprends pas. Comment une colonie entière a pu être rayée de la carte? On dirait qu'on a de la compagnie. Ah ouais, bah j'ai pas envie de continuer à tirer en même temps. J'ai déjà plus de vie, Va falloir que tu nous couvres. Mais c'est pas facile de conduire, de tirer, de viser, d'accélérer, de freiner, machin chouette là. Aïe. Faut que je tire dessus, je le sais, mais Ah bah j'ai un lance-grenade, ça va alors. Où est-ce qu'il me tire lui? Arrêtez de me tirer de je ne sais où. Allez, mort. Alors les ennemis invisibles, c'est relou. Donc on va prendre notre temps, ce sera mieux. Ils sont trop nombreux. Ok, on va y aller tranquille. Ça c'est un de speedrun. J'imagine qu'il y a une technique pour speedrun comme un malade, mais c'est pas notre but. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La ville est complètement inondée. Ah mais j'ai joué Lena, j'avais même pas remarqué. Par contre le lance-grenade il est un peu pété hein. Ça c'est du lance-grenade de dingue. Ok, un mort. Mort. Ensuite, ah c'est par là. Demi-tour. Ok, on avance, on prend notre temps. C'est le plus important. Ok, nice. Tu es mort. Tiens bon. La glissade de... Le voilà. Il ne reste plus qu'à trouver comment entrer. Tu sais, une fois j'ai lu un truc sur un trésor inca maudit. Imagine que... Me dis pas que tu crois à ces conneries. Je dis juste que quelque chose de terrible s'est produit ici. Une colonie entière ne disparaît pas par enchantement. Ouais. Alors c'est quoi ta théorie? On se pose où? Ah, par ici. Merci. Mais de rien, alors pas du coup, c'est par là. On peut peut-être y arriver en suivant ce câble. Oui. Allons voir ça de plus près. Je reste là et je te couvre pendant que tu descends.
Essaie de trouver un accès à cette tour. Ça marche. Oula. Ça marche. Ça devrait les réveiller pour le bon. Il y a des explosifs partout. Petite réaction en chaîne. Calme-toi, c'est que les lance-grenades. Ok, il est mort. Non mais oh. On va se calmer, oui. Aïe. Il est là. Nouveau joujou. Pas de... Oula. Eh oh, oh, oh. Vous êtes combien les amis là? What? Il est où lui? Alors ça fait quoi cowboy? Tiens prends ça. Ça fait ça cowboy. Wow, c'est chaud. Car il serait rien que pour faire combo brutal, ouais bien sûr. Mon cul oui. Voilà ce que je te fais, moi. Mais non, mais saute. Il saute contre le mur. Non, mais n'importe quoi. Ça, c'est headshot, bitch. Ouais. On ouvre une porte. Chapitre 9, en route vers la tour. Tout va bien ? Je vise un peu loin quand même, là, Geronimo. Oh. Tout feu, tout pète. Attention, ennemi devant. Hop là, c'est mort là. C'est mort. Alors le jeu de base n'est pas incroyable. Donc, je suis désolé pour les graphismes, j'essaie de vous proposer la meilleure qualité possible. Mais c'est pas facile hein. Nice. Où est la suite? Il y avait un gars au lance-patate. Toi, tu es où? Tu es là. Toi, tu es là-haut. Par où la suite? Pas par là.
Par où est la suite, s'il vous plaît? Et moi qui vois pas la suite ou pas? Ah oui. Ok. C'est temps que je réfléchisse. Il y avait des poids à faire tomber. Il faut que tu ailles à cette tour. Je te retrouve au poste de douane. Ok, ça marche. Ouais, super. Ça fait mal, si tu veux savoir. Ok. Bam, bam, bam. Eh ben non, tu as cru, hein? Pas moi. Ouais, tu vas pas faire que ça. Hein. Il est loin, lui. Ok, ça va être chaud. Ok, un moins. Deux moins. Et voilà. Parce que tirer dans l'eau, c'est pas la meilleure chose. À couvert. Tête pour toi. Ah, ça va être un peu loin. Sors de là, poulet. Je vois. Ok. Et bah c'est pas mal tout ça. Hop, munitions. Nickel. Alors je vois un petit jeu à faire. Non, c'est pas un petit jeu. J'étais sûr. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Capitch. Ok. Ok. Faut les caméras, toi. Mon dieu. Mais non! Oh! C'était ça qu'il fallait faire en plus. Je suis dégoûté. Non! Pourquoi? Arrête de faire. Ah, Nathan. Calme-toi. Ok, on y arrive. Bon, c'est le dernier saut, faut pas faire le malin quand même. Nathan, quand même. Voilà. Nice. Eh bien, on va s'arrêter ici pour ce 5e épisode sur Uncharted Drake's Fortune. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, nous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée à tous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. En route pour les 1000 abonnés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.
I think the girls with their nails done now.